Hosanna, Hosanna. Shalom, shalom les enfants. Nous sommes de retour pour l'activité du deuxième jour du TDA. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a conduits depuis hier. Aujourd'hui, le thème, c'est pourquoi conquérir. Conquérir, c'est témoigner, c'est apporter la lumière. Voilà pourquoi nous allons réaliser une activité qui consiste à amener un flambeau de lumière. Donc, nous allons fabriquer un flambeau de la lumière que je tiens pour apporter la lumière au monde. Pour cela, vous avez besoin d'utiliser des feuilles de couleur cartonnées. Vous avez combien de couleurs? Il y a trois couleurs, orange, jaune et bleu. Vous pouvez aussi ajouter le carton, un carton de couleur grise et une feuille blanche cartonnée où vous allez mettre le tableau. Nous allons coller donc le flambeau ici pour que à la fin vous puissiez l'offrir à quelqu'un pour témoigner que Christ est la lumière. Vous avez besoin aussi d'un ciseau et de la colle que nous allons utiliser pour faire le collage. Très bien. Est-ce que vous avez tous ces éléments? 1, 2, 3, 4, 5 feuilles en principe. Plus le ciseau et la colle. Utilisez aussi un crayon s'il faut pour un peu tracer comment vous allez découper ce que nous allons faire tout à l'heure. Très bien. La lumière ou le feu, elle est de quelle couleur? Nous avons la couleur orange et la couleur jaune pour les représenter. Pour cela, nous allons dessiner le modèle de flamme. Vous voyez, quand il y a un feu, la flamme, vous voyez comment ça se présente. Nous allons dessiner et découper. Très bien. Voici comment nous allons dessiner cela. Vous faites cela comme ceci. Voilà. Comme cela. Une fois que vous avez dessiné, nous allons découper maintenant. Comme ceci. Découper en suivant le tracé. Comme ceci. Voilà. Très bien, on continue. Voilà. Et voilà, vous voyez que ça ressemble à une flamme qui monte. Je vais donc ensuite créer une zone à l'intérieur, comme ceci. Et je vais enlever ça, cette partie-là, pour laisser du vide. Donc, une fois fait le rond, je dois découper cette partie. Je plie un petit peu, mais pas totalement,
Et je prends mon ciseau, je découpe un petit peu, voilà, pour créer une ouverture. Prenez plutôt un petit ciseau qui est plus convenable. Et je suis maintenant ce que j'ai tracé encore ici. Et voilà, comme ceci, comme cela. Et voilà. Voilà. Vous voyez, au début, on ne comprend pas pourquoi, mais lorsqu'on va commencer à coller, vous allez comprendre. Si je dépose ainsi, voilà, il y a une flamme et une partie blanche. Maintenant, la flamme n'est pas seulement orange, il est mélangé de plusieurs couleurs dont je peux encore dessiner au niveau du jaune. Voilà. Maintenant, pour que ça imbrique, je vais prendre ce que j'avais déjà coupé, je dépose comme ça, comme ceci, et je vais tracer à partir de là, comme ça. Je suis ça, voilà, jusqu'au milieu où je m'arrête, et je fais de la même façon un truc comme ça. Je m'arrête ici, à gauche, vous faites de la même façon, comme ceci, comme cela, comme cela, et vous arrêtez ici. Donc avec ça, ça m'a permis de dessiner ceci, et je vais découper. Je prends plutôt le ciseau le plus petit pour me faciliter le découpage. Comme ceci, voilà, comme cela, suivez bien ce que vous avez dessiné et vous découpez tout doucement, comme ceci, encore, on continue, comme ça. On ne s'arrête pas. On continue. Je continue à couper. J'espère que vous suivez avec moi. Terminé, mais je vais terminer ça tout à l'heure. Ensuite, je contourne encore. Et voilà. Prenez courage, ça va aller. Vous êtes formidable. Très bien. Voilà. Très bien, je continue. Fini, il reste juste un peu. Voilà, je l'ai eu. Vous voyez, donc j'ai cette portion là encore que je dépose ici.
Donc, je peux le mettre comme ça. Et ça représente des flammes. Ce n'est pas encore fini. Puisque au niveau des flammes, il peut y avoir des étincelles, je peux utiliser encore cette couleur que je fais des étincelles comme ça, que je vais déposer en haut sur la feuille. Je découpe encore. Je fais des étincelles comme ça. Voilà. Je dépose. Pour l'instant, je dépose seulement. Je ne colle pas d'abord. Ensuite, qu'est-ce qui va suivre? C'est le bâton pour tenir la flamme. Parce qu'on ne prend pas la flamme avec la main. Il faut utiliser un bâton. Et ce bâton, je vais le prendre ici, avec cette couleur-là. Donc, je coupe. Je ne sais pas si vous connaissez un bois, n'importe quel bois. Je vais couper un bois ici. Donc, le bois n'est pas tout à fait droit, ni lisse. Donc, je coupe. Voilà. J'ai coupé mon morceau de bois pour tenir la flamme, qui sera ici. Mais maintenant, si j'ai ça, il me faut une main pour tenir mon bâton avec ma flamme. Je vais enlever, couper la main maintenant dans le carton. Vous voyez? Donc, je peux prendre ma main comme ça. Je pose comme ça. Voilà, j'imagine comment ça va être. Et je dessine. Donc, je vais dessiner une main. Comme ceci. Voilà. Comme cela. Et voilà. Donc, la main, elle est grande. Comme cela. Puisque le bois va passer ici, je dessine comme ceci pour couper. Voilà, je m'arrête ici et je vais couper aussi la main qui va servir à tenir la flamme. Comme ceci. Et voilà. Je continue. Ensuite ici, je suis la ligne que j'ai tracée pour ma main. Ceci. Et je traverse ici pour terminer. Voilà comment ça ressemble la main. Je mets ça de côté. Voilà comment ça ressemble. Maintenant, je dépose la main ici. Voilà. Et maintenant, je peux commencer à coller. Je prends la colle, la colle qui colle très bien. Je mets ici. Et voilà, je commence par coller la main avec le bâton, comme ça. Rappelez-vous, j'ai d'abord coupé les flammes, mais je commence par coller avec la main. Une fois j'ai fini de coller le bâton avec la main, maintenant je vais commencer à coller les flammes sur le bâton, comme ça. Il faut laisser une petite portion du bâton pour coller cette partie-là. Donc pour cela, je colle la flamme, la base qui est plus
jaune, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais coller la flamme centrale qui est plus rouge, qui indique que c'est vraiment le feu est fort. Et je dépose ici, comme ceci. Et voilà. Très bien. Une fois j'ai fait ça, il faut que je colle aussi les étincelles de flamme qui sont juste à côté. Je mets la colle et je colle. Lui là aussi, comme ceci. Celui-là. Ici. Maintenant, je vais coller la main et tout sur mon papier support. Pour que ça reste dans mon tableau, comme ceci. Comme ceci. Et maintenant, j'attends que ça soit sec pour apporter la lumière aux nations. Voilà. J'ajoute la colle là où c'est pas bien collé. Très bien. Et vous avez le tableau comme ça. Il faut que ça soit bien séché. D'accord. Il faut que ça soit bien séché pour qu'on voie très bien les flammes. Et voilà. Nous avons fini avec cette activité qui consiste à apporter la lumière aux nations. J'espère que vous avez compris pourquoi il faut témoigner, pourquoi il faut apporter la lumière aux autres. Et la lumière, c'est qui? C'est Jésus. Il faut témoigner de Jésus. Merci encore. Je crois que vous avez réussi à faire cette activité et que vous n'allez pas oublier la lumière que vous pouvez apporter autour de vous. Merci les enfants. Shalom. Shalom. Hosanna. Hosanna.